promets-moi de ne jamais jouer. Pas besoin de promettre, tu peux me faire confiance. On est là. Fin de l'entraînement, Yaiko. Non mais pour qui elle se prend? Je jouerai si j'en ai envie. Vous êtes en retard. Oui, en retard, je sais, désolé. Quel endroit minable. C'est une vraie ruine, votre dojo. C'est qui celle-là d'abord? Ah oui, je te présente Megumi Takami. On lui a donné un petit coup de main pour résoudre un petit problème. Fais pas le modeste, dis-lui que tu m'as sauvé la vie. Faudra que tu me dises comment tu as fait pour emballer cette fille en aussi peu de temps. T'as pas l'air comme ça, mais t'es un vrai tombeur. T'énerve pas, Akaru, je vais tout t'expliquer. Eh bien, vas-y, je t'écoute. C'est très simple. Elle était extraordinaire, c'est un véritable héros. Kenshin! Tu n'es qu'un sale goujat, comment tu as pu me faire une chose pareille, hein? Tu me dégoûtes, t'entends, tu me dégoûtes. Espèce de sale porc libidineux, je vais t'apprendre comment on traite une femme, moi. Je crois qu'il a son compte, tu peux arrêter maintenant. Kenshin, ça va mon chou? Si c'est pas trop te demander, j'aimerais bien savoir ce qui se passe entre vous exactement. Je te l'ai dit, Kenshin m'a sauvé la vie, alors c'est normal qu'il compte beaucoup pour moi. Mais je peux te retourner la question. Comment ça? De toute évidence, tu n'es pas sa petite amie. Un homme aussi beau et courageux que Kenshin ne peut pas tomber amoureux d'un garçon manqué comme toi. Tu vas voir ce qu'il va te faire, le garçon manqué, espèce de pamèche! Kaoru, arrête! À ta place, j'éviterai de parler comme ça à Kaoru. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une fille très sensible. Et puis on ne sera pas toujours là pour l'empêcher de te faire la peau. Kenshin, mon cher, il faut que tu me rassures. Dis-moi que tu me préfères à cette mégère frigide et acariâtre, s'il te plaît.